chiant, ça. Il y a un peu des deux. Bon. Les amis, là, vous avez des vis. Mais c'est des... C'est des embouts à la con. Du coup, c'est pour ça que je dis beaucoup, parce que c'est que des embouts à la con. T'as le tout de faire le premier, après une fois que j'aurai compris. Bah, j'ai déjà compris que les prochains, je vais les attaquer par en bas et pas par en haut, déjà. Bon bah du coup c'est reparti pour un tour. Ah en fait le cadre à l'intérieur est en ferraille et le cadre extérieur est en alu et en inox. Oh putain c'est casse-merde ça. Il y a vraiment que le centre du four en fait est... Le centre du four est en ferraille et ça on est obligé de séparer parce que ça la ferraille nous vu que il rachète pas l'inox aimantable, donc même prix que l'inox qui s'aimante. Bah, si vous amenez des grosses pièces, il va passer l'aimant un peu à droite à gauche. Et si vous n'avez pas à séparer, bah, il va vous dire de taper ça dans le tas de ferraille. Ou alors de bah, le reprendre, quoi. Donc autant faire le boulot direct. Après il y a quand même beaucoup plus d'inox que de ferraille dessus, donc ça va. Voilà, c'est ferraille. Donc je vais faire quoi ? Donc ouais, les amis. Nous voilà à la fin du démontage du premier. Enfin. Voilà ce que ça donne. Tout séparé. Et en gros, ça c'est de l'inox. Bon après il y a des. Comment ? Il y a les avant des autres. Il y a un petit peu de pièces de ceux-là quoi, mais c'est pour vous montrer en gros. Ça c'est de l'inox. Bon ça fait partie de la première que je viens de démonter. Ça c'est de l'inox, ça c'est de l'inox. Bon il y a une bonne partie là-dedans qui faisait partie pareil de ce qu'on vient de démonter. Donc ça, tout ça c'est de l'inox. Et ça c'est un peu tout ce que j'avais chargé dans la camionnette qui vient un peu des deux, des trois en fait. Et du coup en ferraille sur chaque machin on a à peu près ça. On a la coque du milieu, et c'est ça qui est casse-burne. C'est la coque du milieu, il n'y aurait pas la coque du milieu, ça irait vite. Et oh, le dessus où ce que les vannes de gaz arrivent, quoi. Et puis on a bah, ça en métaux, enfin en laiton, enfin je sais pas en fait. Il va falloir que je regarde parce que c'est pas complètement que du laiton. Je crois bien qu'il y a de la ferraille là-dedans et de l'aluminium. Donc en gros ça c'est tout ce qui est petits métaux qu'on a sur une cuisinière quoi. Bon il y a du cuivre et tout ça hein,
C'est pas un souci, de toute façon, il faudra séparer le cuivre. Il y a quand même un peu de laiton et tout, mais à mon avis, c'est quasi que de l'aluminium, tout ça. Donc, ouais, en gros, les amis, là, j'ai mis 1 heure et demie à le démonter celui-là. Oui, je vous filme comment? Je fais des coupures, je vous accélère des choses et tout ça, pour pas que ça soit trop long. Mais en gros, j'ai calculé, j'ai mis 1 heure et demie. Après, je m'y suis mal. Enfin, c'était le premier, donc je m'y suis pas trop bien pris. Les deux autres, j'ai compris, je vais attaquer par le bas. Ouais, je vais les attaquer par en dessous plutôt que par au-dessus. Parce que j'ai remarqué que c'est un peu comme ça que c'est monté en fait. C'est dommage que j'ai pas l'embout spécial qu'ils ont dans les espèces de rivets. Là, ça fait. Enfin, c'est un embout spécial, ça fait comme. Ouais. Ça fait un rivet. Enfin, je sais pas comment c'est fait, mais dedans, ça fait une espèce de bague vissée. Mais avec un embout intérieur spécial. Enfin, bref, c'est une merde. Et du coup, ouais, c'est au coup des embouts, à mon avis, spécial pour ça. J'aurais cet embout-là, ça irait beaucoup plus vite. Après, honnêtement, même si j'ai mis autant de temps, 1 heure et demie, à le démonter, vu la quantité d'inox qu'il y a, c'est largement rentable. Même si les autres, je prends le même temps, ça restera très rentable. L'inox, on est autour des 1 euro le kilo. Là, je dirais qu'on n'a pas loin de. Alors, je dirais 50, 60 kilos d'inox par machin. On verra bien à la fin. Mais je dirais qu'on est au minimum, ouais, au minimum à 50, 60 kilos d'inox par truc. Je prends vraiment la fourchette basse. Et puis voilà. Donc, quand on ira brancher le fer ailleurs, on fera la moyenne de tout. Il y a les plaques en fonte dedans, il y a du câble. Bon, il y a pas mal de petites choses, du cuivre et tout. Donc, oui, c'est largement rentable, même si je prends 1 heure et demie par truc. Donc là, je vais aller me faire une petite pause café vite fait. Amis, on se retrouve dans le garage. Et là, on est samedi fin d'après-midi. J'ai pas envie de tambouriner jusque pas d'heure. Et puis, vous voyez, là, avec les voisins et tout ça, on va pas non plus tambouriner. Et puis, on va aller un peu profiter de la famille après. Et du coup, pour répondre à la question que j'avais posée dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de deviner ce que la. Principalement, ça souvent c'est en carter alu, et vous voyez, c'est les brûleurs que vous avez au-dessus des gazinières comme ça. Ça d'ailleurs, si y en a qui n'ont jamais vu de vie, comment qu'on pas jamais mis une vidéo là-dessus, quand je démonte des cuisinières, des gazinières, ça faut les en généralement, c'est soit du carter alu, soit comme là de temps en temps, du laiton. Donc, vous voyez là, je pensais qu'il y en avait un peu plus. Et, ou peut-être que je les ai égarés ou quoi. Et du coup, là, j'ai que ces 4 là. Je croyais qu'il y en avait un peu plus. À mon avis, je dois en avoir mis dans les caisses. Et du coup, le laiton, comment est-ce qu'on le reconnaît? Bah, tout simplement, on gratte. Et si vous regardez. C'est jaune. Donc, quand c'est jaune, que vous grattez à la lime, c'est pour ça qu'il faut toujours gratter. Et puis le laiton est beaucoup plus lourd que ça se reconnaît direct parce que c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, on va dire ça. C'est que quand je l'ai pris, j'ai dit, vache, c'est lourd. Le carter alu, c'est beaucoup plus léger que le laiton. Certains m'ont dit l'alu normal. D'autres m'ont demandé comment. On suppositionnait que c'était du bronze. Voilà, c'est à peu près les 3 réponses que j'ai eues. Mais pour la plupart, vous avez tous bien répondu. C'était du laiton. Et quelques-uns ont dit bronze et d'autres aluminium. Et c'est ça qui, comment je disais, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est parce que quand je les ai pris, en fait, j'ai dit, vache, c'est vachement lourd pour du carter alu. Et ça peut être comment, quand vous faites du tri de métaux et tout ça, ben, le poids, ça peut vous aider. Rapidement à détecter si c'est comment si ça s'aimante pas et que vous voyez que c'est léger, il y a de grandes chances que ça soit de l'aluminium. Par contre, quand c'est lourd, un peu comme ça, quand c'est voilà, là on voit qu'il y a un peu de poids, on va peser juste après, vite fait, et bah gratter, et il y a de grandes chances que ça soit du laiton. Donc, ça c'est nickel, ça c'est du métaux pur, pas besoin de démonter, juste les retirer des cuisinières, et c'est tout bénef. Rapidement. On va se les peser vite fait juste pour voir un peu par curiosité combien il y a. Cela d'abord. Tac.
Donc on a 6 500 kg de laiton. Donc ça, c'est juste nickel. Les amis, j'ai fait à peu près le calcul. Donc là, on a 6 500 kg. Dans la dernière vidéo, on en a amené, si vous vous rappelez, du laiton. Et il était à 4,20 €. Donc j'ai fait le calcul. 6 500 kg fois 4,20 €, ça fait à peu près 27 kg de laiton. Donc là, vous avez déjà 27 € rien qu'en laiton sur l'ensemble des cuisinières. Enfin, de la cuisine en inox. Et voyez là, je viens d'en trouver des. D'accord. Des petits trucs de cuisine, de gazinière et de cuisinière de brûleur. Vous voyez, ça c'est en carter alu par contre. Et vous voyez directement, c'est tout léger. Et même à la résonance, ça s'entend direct. C'est pas magnifique, c'est. Ah non, c'est pas des ballasts. Des petits transfos. En accéléré et tout ça, je vous ai pas tout filmé, mais ça a été au final assez rapide. Ça m'a pris quoi, 25 minutes, une demi-heure à peu près, bon, même pas, parce que celui-là il est pas il était pas composé d'un four au milieu, ce qui fait qu'en fait il était quasi qu'en inox et que j'ai pas eu besoin d'enlever la coque. Et en fait celui-là au milieu c'était juste un tiroir de rangement, mais qui était quand même un peu réfrigéré dedans. On avait des, par rapport aux autres, on avait ces deux petits trucs là, des espèces de petits ventilateurs, à mon avis, pour faire du froid ou pour tenir à température. Et ce qui fait que ça m'a pas pris longtemps et que j'ai pas besoin de le désosser complet. Vous voyez là, il est fini en fait. Et en ferraille, dedans, j'avais que ça en ferraille. Voilà. Et puis tous ces petits trucs là que j'ai mis dans un seau, qui est bah, le câblage, ces trucs là qui contiennent deux petits transfos. On a un petit peu de laiton, vous voyez les vannes de gaz et tout ça qui sont en laiton. Ça, je fais des petits sauts. On démontrera ça plus tranquille dans l'atelier. Et du coup, ben voilà quoi. Donc là, je me charge de stocker celui-là à l'avant, de démonter celui qu'il y a derrière, et puis on passe à la haute et au reste. Donc voilà les amis, opération terminée, tout est séparé, les trois éléments sont découpés, triés et rassemblés. La ferraille est là-bas, l'inox est là, les trois éléments sont là. Donc ça nous fait un petit paquet d'inox, plutôt pas mal. Tac,
J'ai tout rassemblé là-dedans pour gagner de la place parce qu'après je vais devoir venir arranger toute la fonte dans le reste de la camionnette. Donc j'essaye de gagner un maximum de place. Donc celui-là m'a pris un peu plus de temps que le deuxième, vu comme je vous avais dit, bah beaucoup moins de temps que le premier dans la... Les amis, j'ai été franco. Disqueuse, disqueuse, disqueuse à fond au maximum. J'ai quasi tout disqué, il y a quelques trucs que j'ai dévissé à la déboulonneuse. Usé. Ouais, deux disques. Je peux en comment servir, mais je les ai usés aux trois quarts, deux disques. Et du coup, voilà, deux disques. Et puis, ouais. Disqueuse, disqueuse, disqueuse. Et puis, ça a été beaucoup plus vite. Là, j'ai mis trois quarts d'heure pour le faire, celui-là. Comparé à l'autre, le premier, où j'ai voulu essayer de plus déboulonner et tout ça, où j'ai mis, comme je vous avais dit, une heure et demie. Et là, ouais, trois quarts d'heure. J'ai regardé sur mon téléphone, j'ai calculé, et ça fait trois quarts d'heure. Donc, impeccable. Là, on a un petit paquet d'inox. Là, il y a du poids. Donc là, les amis, je mets un petit coup de ménage et après on s'attaque à la haute. Inox, ça je tape ça, ça ira dans un prochain voyage. Allez, je peux vous avouer que là, la graisse qui colle partout, plus la chaleur, c'est pas top. Hein. Mais bon, ça fait des pépettes. Et puis on va pas se plaindre de la chaleur, là, là seulement qu'elle arrive chez nous. L'inox, c'est fini. La haute est séparée. Donc maintenant, on va s'occuper de la fonte. Je vais charger tout ce que j'ai en fonte ici. J'ai deux, trois trucs à séparer. Là, j'ai un corps de chauffe en fonte, de chaudière. Enfin des petits trucs que je dois enlever, la ferraille et certains éléments après. On va charger la fonte. Ensuite on ira à l'autre, la vieille maison qui est vendue et que je dois finir de débarrasser. J'ai en cours de la fonte là-bas. On ira charger la fonte là-bas et puis après bah, demain ferraille quoi. Puis on verra un peu ce que ça fait tout ça. Le bloc de fonte. Qu'est-ce qu'il nous faut, visseuse, machin et tout.
On a du laiton. Ça c'est du laiton les amis. Donc voilà la technique. Quand ça, vous avez un accès assez difficile pour dévisser des petits raccords en laiton ou que c'est trop serré, trop grippé, vous venez de mettre un petit coup de disqueuse en travers, un coup de burin et ça part tout seul. Et paf. Donc voilà les amis, la fonte terminée de charger ici. Hop, on a ce qu'il y a à l'avant qui vient des trois éléments. Ça, c'est tout ce que j'avais stocké ici jusqu'à présent. Ça, pour ceux qui s'en rappellent, c'était une vieille crèmerie que j'avais récupérée dans un débarras. Et du coup, vous avez été nombreux à me dire que il manquait pas mal d'éléments dessus, qu'elle n'était pas en très bon état et tout. Et du coup, je voulais la garder pour essayer de la vendre. Pour un collectionneur ou ouais, quelqu'un passionné des anciens outils et tout ça, quoi. Mais vu que vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'il manquait pas mal d'éléments et puis qu'elle était dans un état pas possible, bah c'est tout. Elle va partir à la fonte. De toute façon, elle est quasi qu'en fonte. Hein. C'est que de la fonte tout ça. Et puis voilà quoi. Donc déjà ça de charger en fonte. Maintenant on se retrouve à l'autre maison pour aller charger le reste de la fonte. Et du coup, bah c'est parti. Hein. Go. Bon, il n'y a pas grand chose. Je croyais qu'il y avait plus que ça. Mais bon. Donc on avait. Ah bon, c'est du beau. Hop. Oh, il faut casser une couille. Lui, c'est pareil. Tant pis pour lui, j'ai pas trouvé preneur. Il n'y a pas grand chose ici. Bon, le petit poil là, ça m'embête, mais j'ai pas trouvé preneur. C'est un poil qui devait. Qui devait être refait et tout ça. J'ai trouvé personne qui était intéressé. C'est que de la fonte. Et du coup, bah tant pis, il part à la fonte et puis voilà quoi. Tac. Donc un beau chargement de fonte et puis d'inox pour le coup. Du coup les amis, je me suis fait mal en fait. Hein, quand, je sais pas si vous avez vu, je me suis claqué la manivelle dans une robinière. Et en fait là je le sens bien. Au début ça allait, mais là ça me... Il va falloir que j'achète même une coque pour me protéger quoi. Merde. Vous avez vu la ferraille, c'est dangereux. Allez du coup là, retour maison et puis... Du coup, ouais, les amis, là on se retrouve dans le garage à la maison. Étant donné qu'il est que 15h, je me suis dit, tiens, je vais me démonter un peu de cuivre, un peu de truc, ça permettra de gonfler un peu le chèque demain.
et puis de faire un beau beau voyage de métaux et de ferraille et de fonte pour le coup. Donc du coup j'ai dit tiens je vais démonter un peu pour finir la journée. Et puis voilà, c'est parti quoi. Petit café, puis je m'y remets. Laiton, ça c'est du laiton les amis. Là on a de l'aluminium et tout le reste à part. Tout ça c'est du carter alu. Bien le bonjour les amis. Donc ce matin c'est parti, on va aller vider la camionnette, voir un peu ce qu'on a fait en pépette, chercher le petit chèque. Vous avez vu là, je me suis fait un petit sac de Milberry pour finir la journée hier. Je me suis dénudé un peu de câble et du coup bah, il y aura ça en plus. Donc impeccable, je vous ai pas filmé, je me suis fait ça tranquille, vite fait une heure, une bonne heure. Et puis voilà quoi. Donc le soleil est là, impeccable. On va aller chercher le petit chèque et puis après bah, il y a encore du travail, vous allez voir dans les prochaines vidéos, il y a encore du boulot les amis. Vous allez voir, ça va être plutôt pas mal tout ça, une chaudière en fonte, plein de choses. Donc bah allez, c'est parti. Les amis, on arrive au moment du bilan, voir un peu ce qu'on a fait en pépette pour ce voyage là qui était plutôt pas mal. Donc là je vais vous donner un peu les prix puis chaque métaux qu'on avait. Donc en cuivre mêlé on avait 7 kg à 7200 euros la tonne, 7,20 € le kilo, ça faisait 50,40 €. En laiton j'avais 11 kg à 4,30 € le kilo, ça faisait 47,30 €. Milberry, le petit sac de Milberry, j'avais 3 kg à 7,95 € le kilo, ça fait 23,85 €. L'inox, donc la cuisine complète en inox, les fours et tout le bazar, on avait 229 kg. Vous voyez, je m'étais dit moi 180, autour des 180, mais en fait on avait 229 kg d'inox à 1050 € la tonne, donc 1,05 €, ça fait 240 €. Et la fonte, 430 kg à 245 euros la tonne, ça faisait 105 euros. Donc ça fait un total de 467 euros pour le voyage là. Donc à Pékin, là c'était une bonne journée, là je vous le dis. Vous inquiétez pas, il va y encore avoir du beau dans les prochaines vidéos. C'est une semaine qui s'est bien payée, oui, parce que là si vous voulez, on est quasi à la fin du chantier. J'avais pas eu le temps de faire les bilans pour chaque vidéo, donc je l'ai fait maintenant. Et puis voilà. Et du coup, avant de finir la vidéo, je voulais revenir parce que hier, j'ai déplacé la première vidéo que j'avais fait sous le chantier de l'hôtel-restaurant, de où trouver du cuivre sur les petits bigelots. Il y en a plein qui m'ont dit dans les commentaires, oui, ben cette vidéo-là, on l'a déjà vue et tout ça. Oui, c'est parce que vu que c'est une série que je fais et que je suis une série sous l'hôtel-restaurant de 4-5 vidéos, ben, j'ai dit, je vais redéplacer quand même celle-là sous les petits bigelots vu que j'arrête l'autre chaîne. Que ça soit cohérent à la suite quoi, pour ceux qui viendraient aller voir par plus tard, comme ça il y a une suite un peu à tout quoi. C'est pour ça que je l'ai déplacé, que je l'ai pas laissé se retrouver du cuivre, pour que ça soit cohérent. Vous voyez là, on est dans la partie 2, hier c'était la partie 1,
Et puis c'est tout quoi. Et puis d'ailleurs, merci à tous pour les commentaires concernant le vlog d'avant-hier où je disais que j'arrêtais l'autre chaîne parce que c'était trop compliqué. Vous avez été beaucoup, beaucoup. Oh, je ne sais plus, je crois qu'il y a 125 commentaires, un truc comme ça. Vous avez été nombreux à me dire que j'avais raison d'arrêter, que c'était trop compliqué, puis que plutôt que je joue, que je me prenne pas la tête et tout ça. Et donc, c'est ce que je vais faire. Merci à tous. Et puis voilà quoi. Donc, demain, nouvelle vidéo. Et vous verrez encore un beau petit voyage, ouais. Et puis voilà quoi. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain. Allez, tantôt, lundi. Hein.